Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour l'avant-dernier épisode sur Fire Emblem Path of Radiance. Et oui, c'est l'avant-dernier, étant donné que là on est à l'avant-dernier chapitre du jeu. Alors attendez. Oui. D'accord. Voilà. Alors, bon, en soutien, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'avec Ike, je crois qu'il m'en reste un. C'est vraiment une idée à la zone, hein. Je le répéterai jamais assez que c'est pour moi vraiment une des pires idées de faire des soutiens illimités, mais bon bref, c'est mon opinion. On va parler au chevalet sacré. Excellent, vous avez fait des progrès faramineux dans des délais extrêmement courts. Vous êtes sincère? Je ne sais ni mentir ni faire de faux compliments. Je suis capitaine de la garde sacrée de l'apôtre. Si vous n'étiez pas déjà appelé à diriger un pays, j'aurais sollicité l'apôtre pour qu'elle vous engage. Oh, merci, je n'arrive toujours pas à y croire. Sans mon conseil, Tanit, rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis chargé d'entraîner l'entraînement des nouvelles recrues. Cependant, je crois que c'est la première fois que quelqu'un me montre autant de reconnaissance. Tu peux monter le son de ma voix, voilà. Cependant, ouais, voilà, ça c'est dit. Les autres élèves me surnomment tous la Diablesse. N'est-ce pas, Martien? La Diablesse, non, d'une côte tête de mouton, ne soyez pas stupide. Nous adorons toute notre capitaine sensible et dévoué. Pour nous, vous êtes un ange. Ah, bien sûr. Plus sérieusement, vous avez beaucoup progressé, votre Altesse. Nous devrions peut-être essayer quelque chose de spécial. Comment? Non, elle n'est pas prête pour ça, c'est de la folie. Tanit, je ne suis pas sûr d'en être capable. Écoutez-moi, votre Altesse. Nous sommes en face des troupes d'élite de Daïn. Elles sont commandées par le roi Ashnar en personne. Comment espériez-vous les vaincre sans maîtriser une seule attaque critique? Faites-nous une démonstration, capitaine. Ensuite, nous nous entraînerons. D'accord, votre Altesse Anacia? Je veux bien essayer. Quoi? Je dois devenir plus forte. Je suis prête à tout pour ça. Bien dit. Alors, pour répondre à votre souhait, je vais utiliser les méthodes d'entraînement de la garde sacrée. Très bien. Oh, d'un steak de cheval. Venez, renonçons aux formules de courtoisie pour gagner du temps. Suivez-moi toutes les deux. Maintenant, venez, Astico. Vous voulez vivre longtemps? Oui, madame. C'est réellement une diablesse. Ces trois-là sont si occupés, je ferais mieux de repasser plus tard. Bon, on va commencer par les équipements. Alors, ça y est, à partir de ce chapitre-là, Ike a Racknell. Ah, il a un arc. Elle a un arc double. Elle a un arc double. Comment elle s'appelle? Elincia. C'est pas très utile. On va vendre le. On va aller dans le magasin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je fous dans le magasin, mais. Ah, j'ai plus tant d'argent en réalité. Bon, en réalité, le jeu, il reste deux chapitres. Donc, honnêtement. Honnêtement. Voilà. Il reste plus grand chose en réalité, donc, honnêtement, l'argent là. Ouais. Alors je crois qu'elle est passée A et elle est finie ou elle est toujours B? Elle est A, donc on peut lui acheter une armurerie, on peut lui acheter une lance d'argent. Bon, comme vous pouvez le voir, le jeu niveau magasin c'est un peu de la merde. Mais bon, ça, on était habitué. Bon, je pense que ça devrait aller avec ça. Alors, Soren, il n'a plus de... Attends, couteau? Ah ouais, il peut utiliser un couteau. Peut-être parce que je lui ai appris couteau sans m'en rendre compte. Il a des coffres, ouais, il a des clés de coffre. Donc... Alors, on va aller lui acheter un inferno. Non, mais pourquoi je confonds magasin et armurerie? Bon, ça aussi, c'est un... C'est un problème hein, du jeu, hein, ces traductions qui sont un peu mal branlées. Voilà, Soren c'est ok. On va racheter une épée d'argent à Mia. On aura du niveau 20 là. Je pense que je vais utiliser le niveau 20 pour cette carte. Remède. Remède, on va le donner à Elincia.
Ces deux épées sont ok, donc ça devrait aller. Eliana, alors foudre est bientôt mort. On va vendre foudre. Ah, l'arc doute, c'est un arc que tu peux pas vendre. Ok. C'est bon, ça va. Bon, ça va, on peut racheter éclair et foudre. C'est quoi le mieux entre éclair et foudre? Il me semble que c'est éclair. Ah, c'est... oui, la réponse est oui. Ça devrait aller pour l'argot. Pareil pour Geoffrey. Yana, on vient de le faire. Astrid, bon, on peut plus acheter des épées fortes. Alors là, il y a beaucoup de laguses. Hein. Je me suis un peu spoil la carte. Hein. Alors, convoi. Donner arc fer, prendre l'arc double, il est là, hein, on sait où. Bah, peut-être prendre. Alors, c'est l'ancien qui a encore le. Oui. Alors, échanger avec. On va prendre sans doute. On va sans doute prendre. Comment il s'appelle, Shinon. Parce que arc double, c'est, un arc, c'est le meilleur arc du jeu, tout simplement. Et il est où? Ars, Shinon, il est là. Meilleur arc du jeu, l'arc double. On va sans doute. Ah, elle a pas de potion. Comment ça se fait? Ah bah, c'est vrai. Alors non, c'est vrai que ça sert pas à grand chose des potions pour rien, parce qu'elle se soigne chaque tour. Donc c'est pas très, hein, pas très utile qu'elle ait des potions. Bon bah, ça devrait aller. On va sauvegarder. Puis le... seulement 7 minutes de mining. Ah, vous êtes gâtés. C'est parti pour le avant-dernier, l'avant-dernier chapitre de ce jeu. Qui est difficile. Qui peut être compliqué, hein, vraiment. Elle est enfin réveillée. Nous avons amené la fille ici sous les ordres directs du roi, c'était simple et facile. Puis il nous a donné toutes sortes d'instructions. Ne la laissez pas s'échapper, elle ne doit pas tomber malade, elle doit rester en vie. Puisque personne, le roi sait combien il est difficile de garder un oiseau en bonne santé. Y a-t-il un problème? Hein, pour qui tu te prends? Comment oses-tu me déranger en pleine méditation? On m'a chargé de venir chez mon talent de garde ici. Comment? Je vois pas pourquoi cet endroit a besoin d'être gardé. Mais l'armée est réputée pour ses règlements farfuleux. Ah, je présume qu'il ne servira à rien à protester. Je crois que les gardes et les veilleurs ont un rôle important à jouer. Ailleurs, oui, mais la tour de Kitma grouille actuellement de soldats extrêmement qualifiés. Sans parler de ces bêtes repoussantes, ces sauvages, tu sais. Toute tentative d'évasion serait un acte suicidaire. Les tours de garde sont donc nécessaires. Quoi? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit ça? Oh, c'est toi, nécessaire, hein? Dans quel sens? Eh bien, si la fille quitte sa cellule, nous ne serons pas en mesure de l'empêcher de se faire tuer. Oh, tu as trouvé un point faible. C'est le problème avec nous, les érudits. Nous nous concentrons sur une chose et nous passons à côté de l'essentiel. Zut, il s'est encore déchaîné. Écoute, reste là et monte la garde. Ne laisse pas la fille Héron mettre un pied hors de sa cellule. Me suis-je bien fait comprendre? Je t'ai dit que nous avons besoin de garde. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Bah, je vois des jours qu'on me dérange quand je suis concentré sur quelque chose. Il est vraiment très étrange. Bonjour ma petite fille ronde. Tu n'as rien à craindre, je ne te ferai aucun mal. Assieds-toi là et reste tranquille, d'accord? Désolé, je sais pas lire le héron, donc j'improvise. C'est la tour de Gritna, n'est-ce pas? Oui. Ike, il émane de cette tour quelque chose de très étrange. Vraiment très étrange. Que veux-tu dire? Je sens la présence de plusieurs membres du peuple félin, mais... qu'est-ce que c'est? Ah, merde, je sens une odeur nauséabonde. Dans cette tour, il y a des laguses à qui on a fait boire des potions infectes pour les enfermer dans leur vraie forme. S'agit-il des laguses qui peuvent pas changer d'apparence, comme ceux que nous avons combattus à Benyon? Oui. Peux-tu nous dire plus combien ils sont et à quel type ils appartiennent?
Je dirais qu'ils sont une trentaine. Quant à leur type, c'est des tigres et des chats du peuple félin. Il y a aussi des faucons et des corbeaux du peuple oiseau et des dragons. Il y a même des dragons. Pas plus d'une dizaine, je crois. Nous allons affronter 10 dragons comme toi. Ils ne me ressemblent guère, maître Ike. Ils sont largement plus forts que moi. Je me sens pas très rassuré. Nous devons nous en dépêcher, la nuit tombe. C'est gênant à dire, mais les membres du peuple oiseau sont complètement désorientés quand il fait sombre. C'est triste, mais vrai. Bien entendu, le camp adverse connaît lui aussi les mêmes problèmes. D'un autre côté, l'obscurité n'est pas un obstacle pour mon espèce. Sur l'adversaire, elle peut s'avérer. Les membres du peuple félin sont majoritaires, c'est sûrement parce que Galia est proche. Écoute, tu es sûr de vouloir venir avec nous? Hein? Oui, bien entendu, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je rassemble un maximum d'informations. Donc une fois la nuit tombée, nous perdrons l'avantage, n'est-ce pas? Nous devons planifier notre stratégie en prenant ce fait en compte. Je te trouve trop calme, ça risque d'être. Ça suffit, Ranulf, nous n'avons pas le temps à dramatiser. Nous devons trouver l'entrée de cette tour. Oui, je viens. Ranulf, plutôt. Je l'appelle Ranulf, mais c'est Ranulf, hein, je pense. Bon. Ah, j'ai été retenu plus longtemps que prévu. Maudit sous-humain, couvert de pousses. Hein, où est la fille Héron? Eh, le garde! Eh oh! Garde, fille et oiseau, y'a quelqu'un? C'est impossible, non, il m'a eu, non! Que faire si elle le découvre sa majesté? Mais tuer, oh non, quelle misère! Non, non, je vais pas faire du rapport. Réfléchis, Zucar, réfléchis. Si je pouvais me faire oublier. Maître Izuka! Ah! Maître Izuka, nous avons des ennuis. Un groupe étrange d'insurgés s'approche de la tour. Ils sont armés de pieds en cap, monsieur. Maître Izuka? Des insurgés, hein? Vous dites que des insurgés s'approchent de la tour? C'est exact, monsieur. Un groupe composé d'humains et de sous-humains. Ah, je vois. Dans ce cas, réservons-leur un accueil digne de ce nom, d'accord? Les mages du général Aedwin s'occupent d'eux, mais ils sont pas suffisamment nombreux. Nous devons avertir la capitale pour qu'elle nous envoie des renforts. Lâchez les sauvages! Ces monstres, mais... Ne vous en faites pas, ils viennent de boire leur breuvage. Ils ont été dressés pour ne pas attaquer les soldats d'Aïn. Très bien, je... Exécution, l'ennemi ne doit pas entrer dans la tour. Oui, monsieur. Le hasard fait bien les choses. Je vais en profiter pour préparer mon évasion. Ouf. Ah, je crois que l'émulateur commence à galérer un peu. Regardez, ils ont envoyé des oiseaux, des bêtes et des dragons pour nous accueillir. Roi des faucons, ne prenez pas l'ennemi à l'aile légère, ces créatures sont... Tenez bon mes frères, je vais bientôt vous libérer. Oh. Le cœur des Tibins n'est pas le seul à rempli de rage. Osez souiller le présent que la déesse nous a offert. Ce cri ne restera pas impuni. Sir Redson! Allez, Ranulf, rejoins-nous à eux. Nous devons nous empresser pour sauver Eliade. Pour Redson! C'est preuve, Lagus, quelqu'un va mourir pour ça aujourd'hui. Alors, oui, nous avons Tibin en allié pour cette mission. Et nous avons Ina. Attends, on n'est pas beaucoup, hein. Ah, pour cette mission, il est conseillé de prendre des mages avec du feu. Ah ouais, on n'est que 12. Alors, l'émulateur galère un peu. Donc, je vais faire une save et on va revenir aussitôt. Alors, pour cette mission, il est plutôt conseillé de prendre des mages de feu. Donc, on va prendre Bastian. Il me semble qu'il a B en feu. Donc, il a Inferno. Ouais, on va prendre... On va retirer... Oscar, ouais. Il est là, ouais. On va retirer Oscar et on va prendre Bastian. Maest, bof, comme il est. J'ai combien de soigneurs là? J'en ai que deux, hein. J'ai Iliana et Maest, hein. Ouais, l'émulateur est en galère, donc je vais peut-être le redémarrer. Je regarde juste qui c'est que je pourrais prendre.
On va retirer. Il y a pas la princesse, hein. Et ainsi, elle est pas là. Pas l'impression que. Ah merde, le micro était pas branché. Bon, ça a l'air de se calmer. Non, pas trop. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où il y a rien qui va. Où tout a décidé de pas aller. Donc, bah là, typiquement, c'est un jour comme ça aujourd'hui. Où il y a rien qui va bien se passer. Bon, écoutez. Je vais modifier la. On va recommencer. Je vais rallumer OBS et puis on verra bien. Donc à tout de suite. Moi, ouais, bon. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Un petit peu mieux, ouais. Alors j'ai pas trop. Ça ramouille un petit peu encore, mais ça va encore. Ah oui, nos déplacements sont un petit peu réduits sur cette carte, c'est marrant. Alors on a deux laguses hein, pour le coup. Pour cette mission. Donc là, ouais, c'est vraiment les faire avancer plus. J'ai même pas vu les conditions prendre, d'accord, donc c'est un boss qui bouge pas. Phase renfort. Ah mais... Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'aviez vu? Non, bah moi non plus. Il y avait un lagus caché dans la forêt. Bon, il est un peu aveugle, donc ça va un peu pour nous. Bah, il aurait pu attaquer Soren, mais il l'a pas fait. Bah, écoute, tant mieux. Ah, la hache d'acier est cassée, mais c'est pas un souci. Ah, mais je les vois pas les... Non, mais... Bah le problème c'est qu'il va peut-être prendre cher, mais ah, il prend un peu cher, mais il peut attaquer derrière. Par contre c'est un Lagus fort faible au... Ah bah crit de Soren. C'est un Lagus qui est faible au...
C'est un phalagus faible aux ventes. Alors les dragons, par contre, ça va être une autre paire de manches. Hein. Et level up pour Soren. Bah de toute façon, au dernier niveau, on va peut-être avoir des niveaux 20. Là, on va utiliser que des niveaux 20. Un en magie, en chance. Ah, mon XP. Ma XP. Ah, il suffisait juste de le mettre là. Bah, ça me dit que je peux l'attaquer. Ah oui, c'est l'arc long qui lui permet d'attaquer de loin. Ah non, il n'a pas d'arc long. Ah bah oui, avec l'arc Labuse, vas-y, c'est la fête. Bah par contre, Chino n'est que niveau 10. Hein. C'est pour ça qu'il faut un peu le monter de niveau. Niveau 11. Chino qui est le meilleur archer du jeu. Hein. C'est pour ça qu'il est un peu compliqué à trouver. Alors par contre, en magie, ça sert pas à grand chose sur lui. Bon, il a gagné en vitesse. Et en défense. C'est plutôt pas mal. Il a gagné dans les stats défensifs, c'est plutôt cool. La soigner Soren. Ah, ça va pas le tuer, hein, par contre. Ça va pas le tuer, mais faut savoir que la phase alliée se passe avant. La phase renfort se passe avant l'ennemi. Donc. Au pire, ah bah, crit de Bastian. Pour l'entourer, pour le défendre si jamais. Au pire, Tiburn, hein. Tiburn. Il ira défendre, il peut attaquer avant. J'ai jamais compris l'intérêt de la défense. Ah maintenant faut faire attention au déplacement. Hein. Attends, y'a pas un lagus caché Ah si. Ça va, je l'ai mis à, une case à la case près quoi. On peut le foutre, on peut foutre dans la forêt. Ça va augmenter leur esquive. Phase renfort. Ah oui, il va attaquer le mec là-bas. Manqué, bien joué Tiburn. Par contre le Lagus il est pas loin. Hein. Il va peut-être aller attaquer Bastian. Non, Uranus. Manqué. Quel esquive de Uranus. Il peut pas attaquer hein, mais qui pourra attaquer le prochain tour. Attention, Tiburn, hein. Là tu t'es mis en danger tout seul. Hein.
Ça m'avait déjà préféré la première fois que je m'étais faufilé ici, mais cet endroit est vraiment incroyable. Au monde de l'Hadès, à Shera, que se passe-t-il? Pourquoi c'est Lagus furieux court-il dans tous les sens? Hein? Vous n'aimez pas non, ça non plus? Moi non plus, mon casque et mon armure sont si encombrants. Alors Léane, 20 ans ont passé, mais je suis resté un bel oiseau, n'est-ce que tu ne trouves pas? Je n'ai pas changé, n'est-ce pas? Tu n'as pas tout de suite reconnu, hein? Ah, je suis content que tu aies survécu, c'est petit bon de te revoir. Bien, revenons à nos moutons, nous avons beaucoup de peine pour nous échapper de cette tour. Ce serait bien, ce serait sans donc bête de servir de repas à l'un de nos cousins détraqués. Notre objectif est d'aller retrouver Mela Ujushi. En route, Léane, accroche-toi. Attends, Ah oui, non, ils sont hors de la map, hein. Putain, Naïsa, mais comment il a caché ses ailes, au fait? Non, mais ça se voit, même s'il porte une armure, ça doit se voir qu'il porte, que c'est un Laguse. Attends, il y a une arme de Shinon qui lui permet d'attaquer à distance. Mais je sais pas laquelle c'est. C'est l'arc double. Ah, c'est con que j'ai pas Redson, par contre. Pour le coup, Redson aurait été utile. Hein. Ah non, pas de crit pour... pas un deuxième crit, mais bon, des petits dégâts de gratte. Par contre, les dragons c'est dur à le tuer, hein, par contre. Même si... Alors, c'était qui l'avait crit? Qui avait crit le dragon? Je crois que c'était soit Boyd, soit Largo. On va mettre Ike ici. Bon. Niveau 16, niveau 15. Allez, Largo. Pff, 100% de précision. 47 d'esquive, hein, là aussi. Hein. Vénère, Largo. Hein. D'habitude, les berserkers, c'est pas ouf, hein, honnêtement. Hein, parce qu'ils ont une faible technique et ils ratent la plupart de leurs attaques. Mais quand ils ratent pas, ils font hyper mal. Mais lui, il est bizarrement, il est très, très, très précis. Il a combien en tech? Ah oui, il a 24 en tech grâce à son truc. Alors je sais pas ce que c'est que cet isalo blanc. Vous voyez, il y a des isalo blancs là. Ah, c'est un hall de soins, d'accord. Là où l'argot est, c'est un truc de soin, d'accord. Me demandais ce que c'était en réalité. Bon, vous êtes un peu loin, vous tous. Bah, il va se faire attaquer, mais je peux rien faire pour lui. Je peux rapprocher Nefini près de lui, on sait jamais. Et Soren, juste derrière. Liana aussi va y aller, comme ça au pire il y aura un soin pour Tiberne. Ah, j'ai pas trouvé la princesse Elincia, donc je suppose qu'on peut pas la jouer pendant cette carte. Ah non, mais c'est pour faire ça, tu sers pas à grand chose, Tiberne. Non, mais espèce de con d'IA quoi. Mon ISP aussi, bordel. Alors là, on va se faire attaquer à cause de Tiberne, bravo. Non, mais c'était pas ça que je voulais qu'il fasse. Ah bah, heureusement que ils sont un peu demeurés. Alors là, par contre, niveau ISP, c'est vraiment la Zermi. Ah oui, un Tiberne attaque deux fois parce que, bah... Bah, comme dans le jeu de base, hein, comme dans Heroes, hein, où il peut attaquer plusieurs fois. Mais tu vas nous laisser un peu d'ispé, Tiberne, non? Tu vas être sympa, hein? Apparemment, non. Ah,
Ah, par contre, le dragon, c'est une autre histoire. Hein. Barre-toi, Tiber, vraiment. Sans effet. Mais les dragons, ça rapporte de l'XP, non? Mais tue-le pas. Mais non, mais en vrai, la mission est trop facile. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Regarde tous dans la même direction. Tiberne et ses amis, hein? Oh, excellent. Tout se passe bien, tout va bien se passer. Oh, oh, Wazion, on t'a enfin retrouvé. Nailushi, tu en avances. Tes vieilles ont dû dépasser leurs limites, hein? Je pouvais tout de même pas arriver en retard pour sauver la chère princesse Léane. Oh, quel glorieux spectacle! Vous ressemblez tellement à votre défunte mère. Eh, c'est pas le moment de s'attendrir. Nous devons fuir pendant que Tiberne et les autres s'occupent de l'ennemi. Oui, bien sûr, par là. Ah, du coup, ils sont pas au courant, eux. Mon ISP. Putain, il est trop loin. Ranulf. Let's go. D'accord, je me casse. D'accord, bah, let's go Tiberne, fais ce que tu peux. Hein. Ah ouais, mais il faut le bousculer. Ah bah non, c'est pas un passage. Attends, eux ils ont le droit de passer par là, mais pas nous, non mais c'est une blague. Bon bah Tiberne, vu que t'es un peu... Je vais pas être méchant avec toi, mais bon, puisque t'es un peu demeuré, voilà. À un moment, merde. Voilà, fais tout le travail. C'est tout ce que j'ai à te dire. Putain, mais en vrai, c'est gratuit, là. Y'a pas grand chose à faire, y'a Tiberne qui se démerde. C'est vraiment, démerde-toi Tiberne, quoi. Ah ouais, t'es comme ça, bah vas-y, démerde-toi. Puisque tu prends comme ça, démerde-toi. Ah bah d'accord, l'IA elle fait n'importe quoi. C'est vraiment full n'importe quoi. En vrai, elle fait vraiment n'importe quoi. En plus derrière, elle nous met dans la merde. C'est pour si c'était faire ça, j'aurais préféré contrôler Tiberne quoi. Regarde, il fait n'importe quoi, il sait pas, bah bravo. Bah voilà, fais la mission toi-même, hein, vu que c'est ça que t'as décidé de faire. Si tu le prends comme ça, bah démerde-toi. Hein. Bah oui, mais il est con, j'y peux quoi. Il va droit dans où il y a tout. Ah bah plus un. Bon ça va, il loupe tous, mais quand même, c'est un petit peu con ce qui se passe. Ah, le dragon va attaquer Ike. Alors je sais pas si j'ai Ragnel avec moi. Ah non, il va attaquer Ranulf. Allez. C'est un crit ça? Non, c'est pas un crit, mais il me fait mal. Il a pris cher un Ranulf. Hein. En même temps, les dragons ils attaquent sur la magie. Non, mais Tiberne, non, mais. On n'avait pas besoin de nous quoi. Là, tu fais tout seul quoi. De PV. on lui a laissé quand même 4 PV. Hein. Non mais vous rendez compte même compte que Tiberne là il fait tout seul quoi, j'ai rien à faire. L'épisode doit faire seulement 20 minutes. Ah oh putain, je suis fait un crisis là, super. Non mais mon ISP là. Il fait tout seul, il fait tout seul, j'ai rien à faire. En plus, il y a deux dragons à gérer, quoi.
Ah. C'est quoi ces dégâts de mouche? C'est quoi ces dégâts de mouche? Ah ouais, les dragons, quand ils disaient qu'ils étaient résistants, ils déconnaient pas. Hein. Ah, crit! Ah, ça, c'est un crit! Bah oui, mais tout à l'heure, il m'a fait un crit. Ça se fait qu'il fait pas de temps, il fait rien comme dégâts avec Cracknell. Oui, parce que Cracknell c'est une arme forte contre les dragons. Hein. Enfin, j'ose imaginer une arme basique. Hein. Niveau 16 hein, pour Ike en tout cas. En force, en vitesse et en chance. Non mais regardez-moi ça, il fait tout seul, Tibern. Vraiment. On va envoyer une escadron, on s'occupe de lui. Tiens, Bastion, comme je t'ai pas souvent joué. Tu vas servir à... Tu vas attaquer le... Comme on a eu souvent utilisé Geoffrey et Lucia. C'est son moment. Là, pour une fois, on va peut-être faire une vidéo moins en dessous d'une heure. Hein. C'est possible. Hein. Grâce à Tibern, hein, puisque il fait tout seul. Alors, par contre, il fait autant de dégâts que. Non, il est moins rapide que Soren. Donc, Soren est plus rapide que lui. Escadron à l'attaque! Putain, Shinon, il est toujours derrière. Le pire, c'est qu'on a besoin de lui, quoi, pour qu'il tire des flèches, quoi. Ouais, mais il fait n'importe quoi, il m'énerve. Je sais pas, je sais pas comment c'est codé, mais vraiment JPEP quoi. Bah il va mourir à un moment, à force de jouer l'abruti, voilà. Bon l'avantage c'est qu'on va arriver quoi. Pour le moment il y a un mec qui l'a touché uniquement. Hein. Attends, mais lui il a une arme magique. C'est une arme à loot. Il va mourir. Hein. En même temps, il est un peu bébête. Hein. Ah, il y a un Lagus qui arrive. Ah, je l'avais pas vu lui. Bon, c'est l'argot. Hein. En même temps, il va peut-être pas esquiver, mais derrière. Ah, bah il a esquivé. Petit pas de côté et paf! La praline. Ah, niveau S en arme pour l'argot. Mais c'est ridicule, c'est du 5, 6v1 là, et puis il fait crit quoi. C'est du 6v1. C'est du 6v1, tu vas le sans problème. Vas-y, je te solo, je te les solo un par un. Non mais vraiment, le jeu. Putain, l'ISP, non mais JPEP quoi. Ah, le dragon, là par contre le dragon tu peux le battre, hein. Là je...
C'est un gros oui. Hein. Non, mais ils vont tous se suicider sur Tibern. Ils vont tous se suicider sur Tibern. Non, mais j'y peux quoi, moi? Ils sont cons, quoi. Par contre, le dragon, voilà, quoi. Garde! C'est abusé! Y a pas de jeu là, le jeu là il est mort quoi. On va sécuriser hein, vraiment. Tiens, attends, il peut pas attaquer avec. Mais attends, mais il est pas S de en arc. Hein? What the fuck? C'est quoi ce bug? Il est S en arc, il peut pas utiliser un arc S. Non mais le jeu. C'est un bug ça, non? Attends, il est S en arc et il peut pas utiliser son arc. Non mais. On se fout de moi là. C'est une blague. Bon, pas intérêt d'utiliser Inferno sur un ennemi quasi mort. C'est une blague. Pourquoi il peut pas l'utiliser? Ah, peut-être qu'il faut avoir, il faut être deux de distance. Bah non, ça marchait pas. Je ne comprends pas. Comment il marche l'arc double? Parce que bon, des personnages qui peuvent l'utiliser, il n'y en a pas tant. Hein. Bon allez, l'unité attaque. Après il y a Tibern qui va en buter un hein, donc. Ah par contre le dragon. Le dragon il se rame. Il est long du cul hein. Il est long hein. Ah. Son cul est bien gros hein. Non mais par contre il y a un truc que je comprends pas hein. Pourquoi Ike il fait que 2 de dégâts avec ce Rachnel quoi. Je crois que c'est voulu hein. Ah bah c'est peut-être voulu mais voilà. Joue sans nous hein, en gros joue sans nous hein Tibern hein, parce que là c'est vraiment ça l'idée. Non mais le dragon merde. La cible c'est le dragon en priorité quoi. Bah surtout qu'il y en a deux encore à tuer. Un brise hache, ouais bah. Aïe! Non mais je suis pas censé avoir une esquive de malade avec Lucia. Non non mais Tibern tu saoules. Tu saoules. Oh bah colle nous hein, on va rien dire. Non mais... Je te jure qu'elle va pas esquiver, elle va mourir. Voilà, merci. Je pense que mettre une épée, c'était pas vraiment la meilleure idée. Enfin, mettre Lucia, c'était pas la meilleure idée. Bon, il reste une unité. Le dragon, non, il est trop loin. Esquive. Merci. Crit. Et au revoir. Au revoir monsieur, c'était gentil d'être passé. En vrai on fait ça pour rien. Le dragon qui arrive. Ah il attaque Tibern, ah bah c'est très gentil de sa part. Ah non. Ah sachant qu'il en reste deux hein, dragon.
Bon, ça va, le dragon il est gentil, il a pas... il s'est dit que c'était le meilleur bail de pas bouger. Ah non, mais c'est Ranulf, c'est Soren que je voulais prendre. Ah, Soren est trop loin. Alors lui, avec son épée de merde. On va utiliser Bastian. Sauf que Bastian, il est vraiment pourri, pourri du slip. Ah non, mais ça marche comment cette arme? Mais pourquoi il peut pas l'utiliser? Ça me rend ouf. Pourquoi il peut pas l'utiliser? Bah, pas envie. A priori, c'est j'ai pas envie de l'utiliser, donc je l'utiliserai pas. Voilà, le crit, c'est ce que je souhaitais. Ah, mais il le tue pas! Ah! Aïe. Faudra soigner Lucie, hein, par contre. Ah, ça hit en plus cette merde! Non, c'est. Non. Je crois qu'elle soigne. Ben non, elle soigne pas. Je voulais faire un crit pour qu'il le tue, mais au final, le crit était aux F. Ah, bah, on va falloir utiliser des unités derrière. Oh, les dégâts! Ah, j'allais dire les dégâts, ouais, il fait pas, il fait mal! Et le crit de l'argot! Bouya! Ah oui, le dragon, gérer un dragon, ça va être chaud. Sachant qu'il y en a d'autres derrière. Après, il y a Tiban qui peut attaquer, donc. Ouais, mais mon ISP. Oula, les grosses montées d'ISP de l'Argo. Elle peut dépasser les 30 en attaque. Il y a moyen. Ça tuera pas. C'est quoi le mieux qui fait? Bah, dans les deux cas. Bon, on peut optimiser, on va optimiser les dégâts et puis derrière on... pire on... pas de crit, dommage. Ah non, mais la priorité c'est le dragon, hein. Il manque une case à Soren, enfin, on va le bousculer. Ah, il me semble que la foudre c'est fort contre les dragons. Zéro. Oui, la foudre est fort contre les dragons. Par contre, j'ai fait éclair. Ah oui. Au pire, on a Ike derrière pour le tuer. On va savoir pourquoi, mais la foudre est fort contre les dragons. Je n'ai même pas l'explication. Ah, il est pas trop loin, non, il est pas trop loin. Ah mais non, il fait, c'est juste que vraiment, non, Ragnar n'est pas une arme anti-dragon. Qu'est-ce que j'ai jamais. C'est pas le cas du tout. Voilà, un dragon de mort. Puis on a Tiban qui peut attaquer derrière, donc il faut se débarrasser des mecs. Pour pas qu'il attaque, il faudrait qu'il attaque le dragon, mais il le fera jamais. Bon, il reste qui peut bouger. On va soigner Lucia avec... avec... J'ai un javelot encore avec... 17. Bon, 17, c'est pas bien, ça, assez pour tuer. Il reste quand même des ennemis, hein. Faudrait aller soigner Tiban en réalité. Mais j'ai plus personne qui peut agir pour aller le soigner. Bah, il n'y a qu'à prendre une potion, hein, comme tout le monde. Lucia va reculer.
Ouais, le javelot ça tue. C'est ça leur fameux soldat surentraîné, eh ben. Ah non, ça fera quand même une heure. Et ça sera un épisode court. Hein. C'est l'amuse-bouche en même temps, Tibarn, il nous a fait gagner, je pense, facile. Il nous a fait gagner peut-être. Ah ouais, mais il y a attention aux oiseaux. Oiseaux. Ah, il y a des Soren. On va faire avancer Lyanna. Et Bastion. Qu'est-ce qu'il... Ah, il va se soigner. Non mais... Bah oui, mais nous, dans la merde, on va rien te dire, Tibarn. Manqué. Ah, aucun effet. Trop défensif. Encore un level pour Ike. Deux niveaux hein, dans ce chapitre. Bah, il serait peut-être temps ouais, de le faire monter de niveau parce que... Parce que c'était au chapitre précédent que je... Ah oula, il y a encore des, la douce qui arrive. Lui fait quoi? Il boit le thé. Il boit le thé. Bah écoute... Est-ce que, ouais, je pense qu'à la fin on aura comme, bah, comme n'importe quel Fire Emblem, on aura le nombre de batailles gagnées par l'unité. Ça va être marrant à regarder. Ouais, mais lui il attaque pas, je sais pas ce qu'il fout. Alors le dragon par contre, faut préparer les unités. On va préparer les mages. Ah, encore 6 tours pour... On va préparer les mages. Parce que le dragon, il va piquer un peu au cul. J'ai pas compris pourquoi Arc Doom ne s'activait pas, mais bon bref. Ah peut-être qu'il va avoir l'aggro hein, le Tibarn. Ah ouais mais oui, il a l'aggro. En même temps si des mecs arrivent pas à le toucher. Ah oh non il s'approche, des sauvages ne sont pas assez nombreux. Soldats, quelqu'un à l'aide, allez vite chercher Izuka. Ah c'est un mob, c'est un boss qui attaque à distance, ok. Il utilise Vjolnir. C'est lui hein, qui utilise Vjolnir, ok, il va falloir se dépêcher. Heureusement que c'est c'est Tibarn qui a l'aggro. Par contre là il va pas cher. Alors il nous fait gagner du temps on va dire Tibarn pour ce coup. Mais espèce d'enculé. Non mais pourquoi t'as fait un crit? Mais vraiment mais... Il est casse-couille. Hein? Bon, Marc, initiative. Aïe! Crit! Allez, vas-y, t'es pas venu pour rien. Ah, on est proche du niveau 20 pour Mia. Mais ils vont tous se suicider sur Tibarn. Bah écoute. Bon écoute, hein, Tibarn. Ou plutôt les sauvages. Hein, je sais que vous avez des problèmes dans la vie. Mais... Ah, Ranus a pu sa transfo. Alors lui, j'ai pas compris pourquoi. Mais il vient pas attaquer. Bah écoute, on va aller l'attaquer. Hein. S'il vient pas, ben on va le chercher. Hein. Manqué.
HS dans le jeu, je sais même pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait une HSS dans le jeu. Bon, les sbires là. Il y en a un qui a châtiment et l'autre qui a... On va pouvoir avancer. La map est finie, hein. Elle aura pas duré longtemps, hein. J'hésite même à faire la fin du jeu dans le prochain épisode. Enchaîner la fin maintenant, quoi. Tellement c'est court. Ah, par contre, Mia, il faut la soigner, hein. Ah oui, il faut pas mettre les personnages avec peu de résistance dans cette physionomie-là. Bon, au pire, Tibarn ira attaquer un des mecs. Par contre, je suis pas sûr qu'il va attaquer de boss, hein. Faut mettre les personnages avec beaucoup de res vers l'avant. Donc genre Shinnon, il faut le laisser derrière. Granulf aussi. Level up pour Lyanna. Tu n'auras pas beaucoup attaqué, mais tu auras beaucoup soigné. Je crois qu'elle est meilleure que Bastian. On va envoyer un hommage. Je pense qu'à E6, ça devrait. À E7, parce qu'on va rajouter Nefini dans le lot. Elle a combien de res? 16. Bon, tout le monde est full vie, donc d'un côté. Bah voilà, c'est ce que je me doutais. Il va attaquer le pire possible. Le mec le plus haut se laisse possible. Manqué, bon, en même temps il vise un archer. Ah, un épéiste. Ah merde, l'argot. Attends, un 59 de dégâts dans la gueule, ça existe? Non. À quel moment ça existerait? Voilà, pourquoi il fallait utiliser... Il fallait sortir les... Putain, mais Bastien, tu sers à rien. Je vais te tirer ça, hein, mais tu sers à rien. On va bousculer Lyanna pour qu'elle... Non, mais quel jeu de merde! Mais quel jeu de pute! Non, mais vraiment, mais t'es vraiment un jeu de merde. Voilà. Jeu de mort. De toute façon, c'est la même chose. Jeu de mort. Ah bah, crit. Crit d'Iliana. Il restera l'autre. Chien. Ah, par contre, c'est vrai que la transfo au pire moment possible, c'était pas cool. Hein. Bon, lui avec châtiment, il va arrêter de lui casser les bonbons. Voilà le crit. J'aurais peut-être dû garder Lucia. Bah, il reste Mia, hein, donc ça revient même. Ah non, c'est Fulguration, c'est pas Violnir qu'il a, lui. En vrai, faudrait que ce soit Ike qui le tue, parce que... Oh, bon, il tue, bon. Il s'est offert à la société, là. Ouais, ok, Soren me tue. Vas-y, Soren. Je crois que j'ai Balgamon dans le convoi. Ah ouais, bah pour la dernière map, je vais mettre les meilleures armes possibles. C'est abusé. Là, on a des armes, on va dire, basiques. Et level up pour Soren qui passe niveau 18. Niveau 6-7, non. Un point en tech. Bon. J'ai envie de te dire, c'est mieux que rien. Bah allez-y, on va le buter avec Ike. 100% de précision, impossible de louper.
Celui-là ressemble à un commandant, si je pars bien le toucher. Maître Izuka, appelez-le! Quasiment niveau 18. Niveau d'armes augmenté et on a Violnir qui est la meilleure arme électrique du jeu. Mais je crois qu'Iliana elle est pas. Elle est B en foudre. Bon, la map est finie. Voilà. Fini la map. Ike, l'as-tu trouvé? Retrouvé? Non, je ne la vois nulle part. Lian, où es-tu? Bonjour tout le monde, auriez-vous des problèmes? Naïsala. Oh, roi de Kilva, c'est quel plaisir de vous voir. Je crois que je détiens ce que vous cherchez. Lian, tu vas bien? Vous l'avez sauvé? Ouvrez grand vos oreilles, je voudrais éviter tout malentendu. C'est Tiban qui m'a forcé à le faire. Je n'ai pas agi par altruisme. C'était une sorte de remboursement de la dette que j'avais envers lui. J'ai bien fait de vous choisir. Excellent travail. Vous pouvez me flatter tant que vous voudrez, roi des faucons. Vous n'obtiendrez rien au retour. Comme promis, la note du duc de Tanas est complètement réglée. Oui. Bien, permettez-moi de prendre congé de vous. Rien ne presse, non? Bon. Puisque vous avez fait de déplacement, pourquoi ne pas rester et nous aider à affronter le roi de Daïn? Quelle idée splendide. Quoi? Arrêtez ces bêtises, je préfère garder la vie sauf, merci. Écoutez-moi Léa, je n'ai aucune raison valable de me battre contre le roi de Daïn. Aucune raison valable. Et tes frères qu'il vend, alors? Le roi de Daïn a volé leur identité naturelle pour l'envelopper à jamais. Ils ont kické qu'il va de leur propre chef. Jusqu'à quel point suis-je responsable d'eux? Tu... Maître Eric, pardon du dérangement, mais... Y a-t-il Ina? Y a quelque chose que je souhaiterais vous montrer, c'est au sous-sol. Cette tour a un sous-sol? Nous avons découvert des escaliers secrets, nous ignorons cependant où ils mènent. Allons voir. C'est quoi cette odeur? C'est la corruption. Il fait noir comme dans un four, nous avons besoin de lumière. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Répondez-moi. Ranulf? Des laguses. Avant, ils étaient des laguses. Oula, sale ambiance. Oh, mais c'est horrible! J'espère que Ranulf et les autres vont bien. Ils se sont comportés comme si de rien n'était, mais je sais qu'ils souffraient en silence. Ce donjon est la chose la plus horrible qu'il m'a été de voir. Je suis content que vous ne l'aviez pas vu. Ah, elle n'était pas dispo pour l'émission. Était-ce si épouvantable? La barbarie ne pouvait revêtir de forme plus hideuse. D'innombrables corps de la guse y étaient entassés. Leurs membres torturés étaient tous brisés et difformes. Ah, c'est horrible. Pourquoi Ragnar fait-il ça? Quels sont ses objectifs? Le roi a fait appel à de puissants berques pour qu'ils puissent se joindre à la cause, mais il devrait s'assurer qu'ils étaient dignes. Il est testé en les faisant se mesurer entre ses laguses. Ragnar considère les laguses comme des moyens d'arriver à ses fins, rien de plus. Ce sont des outils qu'ils peuvent utiliser comme bon lui semble. Ces savants s'en servent pour toutes sortes d'expériences. Au moyen de breuvage, ils auront fait perdre la raison, puis ils ont enfermé dans cet état de démence. Leur espérance de vie est courte, mais leurs forces sont décuplées. Merci pour ces informations. Grâce à toi, nous avons retrouvé Léan. Tu es libre maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Je veux aller à la capitale. Je t'en prie, laisse-moi rejoindre ton armée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Combattre tes anciens compagnons pourrait être au-dessus de tes forces. Emmène-moi avec toi. Il y a quelque chose que je dois absolument faire. Je t'en prie, Ike. Très bien, battons-nous ensemble. Général Ike, l'armée est arrivée à la périphérie de Melior. Nous attendons vos ordres pour nous déployer, général. Très bien, dites à nos hommes de disperser, de se disposer jusqu'à nouvel ordre. Nous allons enfin affronter le roi de Daïn. Oui, nous allons bientôt mettre un terme à cette guerre. Enfin. Hein? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, mais...
Mais quoi? Certains soldats disent qu'après la guerre, leur carrière militaire prendra fin. Ils veulent continuer à se battre, alors bien que Crimea ainsi que Dane aient connu tant de souffrances. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, pardonnez-moi, je vais aller informer les hommes. Ah, Hag n'est pas général, hein, il est. Il reste un mercenaire après. Bon, bah en tout cas, sauvegarder. On n'a pas eu le rapport. Terminé le chapitre 28. Le palais royal de Criméa, bâti au centre de la Melior, est renommé pour ses magnifiques jardins, qui sont de véritables havres de paix. Mais les temps ont changé. D'innombrables batailles ont dévasté cette contrée idyllique, et un souverain maléfique a pris possession du trône. Ce palais n'a subi aucun dégât et reste empreint de dignité et d'élégance. Mais l'atmosphère d'ornières paisibles y est à présent remplie de tensions et de mystères. Au cœur de ce palais conspire l'initiateur de la guerre, Ajnar, le roi de Dain. Ike, le général de l'armée de Crimée, et Elincir, la princesse de Crimée de ce royaume, sont fin prêts pour l'affrontement. C'est avec une certaine nervosité qu'ils attendent le combat, qui mettra fin à une année de périple. Ils attendent le début de la fin. Chapitre final! Rapatriement plutôt. Et oui, chapitre final, le chapitre 29. On est à la fin du jeu. Il reste qu'une mission. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Héros Soren, ouais, il a fait. Ça se tient. Dépense, gain, on a gagné 384 écus. Mais on a gagné de l'XP. À son pouvoir curatif, il n'y a plus de blessés ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'ai à dire maintenant, si tu veux m'excuser. Amis, on a deux amis à parler. Et on aura du menu à faire. Bon, je pense que je vais le faire tout de suite, l'épisode final, hein, parce que bah il n'a pas duré longtemps, hein, cet épisode au final. Donc, tu verras que je le monte aussi. Donc on va se retrouver bah, la semaine prochaine pour la fin de Fire Emblem Path of Legends. Le premier Fire Emblem que je finis en soi sur la chaîne. J'en ai pas fini. De mon côté, j'en ai fini plusieurs. Mais c'est le premier que je finis sur la chaîne. Hein. Donc on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour la fin de Path of Legends qui sera sans doute très 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 long. C'est un long chapitre. On va bien finir en apothéose. Et après, eh ben, on en parlera de ce qui sera la suite. Bon, je l'ai dit souvent, hein, je l'ai dit beaucoup de fois, ce qui va suivre après Pass, ben, c'est sa suite, hein, ce sera Radiant Dame, mais peut-être qu'il n'y ait pas. Je vous laisse le mystère. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la fin de Path of Legends. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Arcanum. Bye!